Il y a un peu d'embouteillage à l'entrée du pôle sanitaire Est. Les travaux ne sont pas encore terminés. Pourtant, il faut déjà commencer à l'aménager. Notre rôle, c'est d'équiper en mobilier tout un hôpital, toute une structure, pour tout ce qui va servir à contenir ce qu'on appelle les dispositifs médicaux et les médicaments. Là, on est dans une première phase, c'est-à-dire qu'on va débarrasser les conteneurs. Notre premier rôle, ça va être vraiment de répartir le mobilier, dans un premier temps, dans une zone qu'on appelle la zone tampon, où on se trouve actuellement. Et une fois qu'on a tout ce mobilier-là, qu'on a tout réparti, qu'on a tout pointé pour s'assurer effectivement que tout est bien là, la deuxième phase, ça va être de monter en fait tout ce mobilier-là dans les services et de l'installer. Et ils ne sont pas les seuls à s'activer. Un peu partout, ouvriers, installateurs, techniciens, électriciens, peintres sont à pied d'œuvre pour que tout soit prêt en décembre. Un gros travail d'organisation, d'autant que le pôle sanitaire de l'Est va regrouper plusieurs structures, publiques et privées. Alors le pôle sanitaire de l'Est, notre originalité, c'était réunir ce qui était part. En fin de compte, c'est un hôpital qui fonctionne. Le malade qui rentre dans cet établissement, il ne saura pas qu'il y a laboratoire privé, radio privée, hôpital public. Le pôle Est accueillera également une clinique privée. En tout, c'est 900 personnes qui vont s'installer ici. Un pôle ambitieux qui s'est doté de matériel de pointe. Cela va des équipements médicaux jusqu'au confort des patients hospitalisés. Donc nous avons ici un terminal multimédia qui est installé dans chacune des chambres de l'hôpital. Sur ce terminal multimédia qui est à destination des patients, on peut trouver plusieurs services. Donc la télévision, ce qui est assez classique, avec le choix des différentes chaînes. On pourra accéder à Internet, et ça c'est peut-être une nouveauté par rapport à d'autres établissements, avec même une webcam intégrée qui permettrait par exemple en maternité de pouvoir montrer sa progéniture. Et enfin, l'accès au téléphone. C'est un service payant pour les patients. C'est un service d'hôtellerie de confort, effectivement, mais à terme, il permettra au personnel soignant d'accéder au dossier médical patient, donc simplement avec la carte soignant du personnel soignant. Il suffira l'introduire dans la fente et accéder directement au dossier médical du patient concerné. En coulisses, les experts se donnent du mal pour installer le système informatique qui sera lui aussi particulièrement performant. Là, on est en train d'installer ce qu'on appelle un data center où il va y avoir l'ergonomie de tous les serveurs de l'hôpital qui vont être hébergés. Et nous, on a OBS en charge de raccorder l'ensemble de toutes les infrastructures informatiques sur ce data center. C'est un énorme projet. C'est un très 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 gros projet, tant au niveau infrastructure que service, puisque le CHI a choisi, en plus de nouveaux matériels, de mettre vraiment des nouvelles technologies, notamment d'attribution de certains services et de validation d'infrastructures redondées. Donc tout va être secouru. Normalement, lorsque l'infrastructure sera en place, il n'y aura aucune panne. Les deux salles sont miroirs l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont censées suppléer à la défiance totale de l'une ou de l'autre salle mutuellement. Et dans chacune des salles, nous avons deux arrivées électriques indépendantes, deux systèmes de refroidissement indépendants et un système qui permet de garantir un courant continu lissé, qu'on appelle des onduleurs, qui permet de tenir 20 minutes, enfin une demi-heure environ, pour chacune des salles. Si vraiment on a une interruption de courant assez longue, du genre plus d'une heure, plus d'une demi-heure, alors il y a un groupe électrogène qui permet de garantir une autonomie totale de 48 heures pour l'ensemble des deux salles. Les interruptions de service, c'est aussi la hantise de Gérald Baumy. Mais ça reste comme ça, on sera d'accès de plein pied là. On sera d'accès de plein pied comme ça. D'accord, il n'y a rien qui barre l'accès ici, n'importe quel niveau. D'accord. Et donc après, le principe, c'est d'emprunter ce chemin-là. C'est lui qui organise le déménagement de la clinique Saint-Benoît et du centre hospitalier intercommunal vers le pôle Est. Il va devoir gérer le déplacement du matériel, mais aussi des hommes, les personnels soignants comme les patients. Un hôpital, dans beaucoup de situations, ne peut pas s'arrêter de travailler, puisqu'on ne peut pas dire aux patients « vous partez ailleurs pour aller vous faire soigner ». Donc on a besoin pour cela de créer en fait une activité qui va nous permettre, tout en déménagement, de continuer à travailler.
Pour faire cela, on fait une étude amont pour pouvoir créer ce qu'on appelle un ordre de déroulement de transfert, c'est-à-dire de savoir par qui on va commencer en termes de transfert et de déménagement et par qui on va terminer pour ne pas interrompre les liens qu'ont les services entre eux. Parce que par exemple, un service d'urgence a besoin d'avoir autour de lui de la réa, des soins intensifs, de la traumatologie, parce qu'une fois que vous avez été accueilli en urgence, vous allez passer dans ces services-là pour vous faire soigner. Autant au début du transfert, on va pouvoir pénétrer le bâtiment par à peu près où on veut, puisqu'il n'y aura personne à l'intérieur, autant au fur et à mesure de la montée en charge du bâtiment, il y aura des services qui ont été déjà installés, mis en place, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la dialyse, par exemple. La dialyse, c'est un bon accès pour nous au niveau de l'entrée dans les bâtiments, mais une fois que le service de dialyse va être mis en place, il va être difficile de passer au travers du service pour aller aménager les autres services. Pour se faire une idée, 5000 mètres cubes de matériel et 3 km linéaires de documents vont débarquer ici durant 4 semaines. En attendant le début du déménagement, c'est cet homme qui gère l'installation des nouveaux équipements. Alors, 66, il n'y en a pas, il y en a en 67. Donc la première pièce par là, à droite, juste avant le couloir. J'ai été chargé des commandes, des équipements neufs. Donc, de regrouper les expressions de besoin des cadres de santé pour leur service et donc de passer les commandes aux divers fournisseurs. Ce qui fait que les divers tableaux qui sont là sont des tableaux qui récapitulent par service le mobilier commandé. Je pense qu'on en est à peu près aux 10 000 lignes de commandes pour l'ensemble de l'établissement. Ça représente un gros chantier, surtout l'envergure du GHER. Pour vous donner une idée, nous avons commencé déjà l'installation au mois de septembre. Et là, je dirais jusqu'à la fin du mois de novembre, nous avons encore au moins 3 fois par semaine de travail. Sans compter les vestiaires, parce que les vestiaires, nous avons une installation de 400 unités qui va représenter entre 1 à 2 semaines d'installation uniquement pour les vestiaires. La première ouverture de service est prévue pour le 19 décembre, la fin d'un chantier qui a débuté en 2008 pour un coût de 95 millions d'euros. À partir de cette date, les patients seront directement admis dans un pôle sanitaire Est, prêt et flambant neuf.